La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps Vivre bien, vivre mieux vous présente Marc Page. Bonjour et bienvenue dans Marc Page, le dompteur de Lyon et le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Laurence Desbordes du magazine Notre Temps. Bonjour Laurence. Bonjour Zelda. C'est le dernier Camilla Läckberg, cette auteure à succès suédoise. Voilà, exactement. Alors ça se passe toujours dans ce petit village de Fjällbacka, je ne sais pas trop comment on prononce. Fjällbacka. Merci. Voilà. Et c'est toujours Erika Falck qui est l'héroïne avec son mari. Alors elle est recherchiste, historienne, un peu journaliste. Et elle s'intéresse à une femme qui est en prison et qui est accusée d'avoir tué son mari. Qui maltraitaient leur fille. Voilà. Donc Erika Falck fait son enquête de son côté en allant visiter cette femme en prison. Et de l'autre côté, son mari, Patrick Hedström, donc c'est le couple parfait avec trois enfants qui s'adorent, lui fait une enquête sur des jeunes filles qui disparaissent et que l'on retrouve mutilées, mortes et mutilées. Voilà. Et finalement, on s'aperçoit que le livre en projet d'Erika et l'enquête de Patrick forcément se rejoignent. Et je trouve que c'est probablement pour moi le Dompteur Lyon, c'est le plus réussi de tout ce que j'ai pu lire de Camilla Läckberg, parce que pour une fois, les personnages secondaires, c'est-à-dire ceux qui commettent les crimes, mais aussi ceux qui sont soupçonnés, ont une profondeur psychologique qu'ils n'avaient pas avant. Voilà. Merci. Donc c'est un bon le docteur de Lyon. C'est un bon docteur. Merci beaucoup Laurence. En suédois on dit Leijontemjalan, figurez-vous. C'est la fin de Marc Page. Je vous le dirai pas en suédois, mais en tout cas on se réjouit de se retrouver très bientôt pour d'autres histoires en français cette fois-ci. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et Notre Temps Vivre bien, vivre mieux, vous ont présenté Marc Page.